organisation carnaval là. Hier, tu as déjà gagné une première journée qui s'est déroulée avec Télévision Nationale d'Haïti. Tu as déjà une idée de comment ça y est hier. En pile groupe à pied, en pile bande à pied de défilé. Et tu as gagné tous trois chars musicaux qui t'ont défilé sur le parcours là. Avec Vanessa, moi-même, je dis à nous permettre qu'on vive l'événement dans toute intégralité ou bien par séquence, dépendamment de gens, nous allons organiser pour permettre qu'on ait une idée de comment retransmission carnaval la fête sous différents parcours, dans différentes communes, différentes villes côté gagner organisation carnaval là. Et avec Vanessa Jodian, nous allons retourner sur l'organisation journée hier là. Comment ça a été, bande à pied qui défilé, qui char qui passait, et comment bilan lui-même était capable de présenter. Et garder journée Jodian, qui ça qui gagne comme perspective pour deuxième journée, avant que nous fermions vraiment organisation carnaval là dans la commune d'Elma pour l'année 2018 là. Bonsoir Vanessa, nous très contents de vous. Comment ça a été pour hier au niveau de Delma pour l'organisation carnaval là? Bonsoir Kenley, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de Télévision Nationale d'Haïti. Pour répondre à la question là, Kenley, nous avons dit que hier, au niveau de l'animation, nous avons dit que c'était bon. Bah, pas tout à fait ok, mais pas contrairement à Jodian, nous avons dit que dès le début, nous jouons Mounio Kamkati senti une ambiance carnaval là. Donc hier, nous avons plus de journée hier là, c'était plus pour Timoun. Parce que nous avons la bande à pipo qui était pour mettre le table déchiré là. Nous avons dit que hier, nous avons tout petit monde. C'est comme si le grand monde a marché de Goupio. Donc, c'est comme ça que hier, petit monde a même marché de la bande à pipo. Et au point de vue logistique, nous avons dit que le seul petit problème, c'est que hier, nous avons dit que l'autre côté, oui, nous avons remarqué que nous avons des machines et des motos qui ont circulé. Mais je dis, nous avons dit que l'espace là lui-même est réservé seulement pour définir carnaval pour Delma. Concernant trois chars qui ont été passés hier, là, nous avons dit que beaucoup d'expérience lui-même hier, il était levé un gros lot. Côté que malgré que les gens qui ont commencé, que les gens ont commencé à désintéresser, nous avons dit que hier, avec l'arrivée de chars, beaucoup d'expérience là, ouais, toute foule là, nous-mêmes, nous avons été bravo, nous avons été rentrés dans le blanc, et puis nous avons oublié que les gens qui ont été tombés. En attendant, Vanessa, qui nous dit nous avec nous, député circonscription d'Elma, qui rejoint nous sur le plateau Télévision Nationale d'Haïti, nous avons invité député à faut-il passer dans le mi-temps. Député, comment vous êtes? Et jusqu'à présent, eh bien, carnaval là qui a bien déroulé au niveau de la commune de Delma, circonscription que vous avez un privilège dirigé comme député. Mais jusqu'à présent, qui est sa première constatée par rapport à la deuxième journée? Et si nous prenons la première journée que tu as déjà organisée hier, jusqu'à un moment, on a parlé là, qui est sa première constatée, qui bilan, député? Bon, d'abord, il faut dire que y a une nette amélioration. Première journée a été finie, trois bonheurs. Donc, c'est un que carnaval a fait pour Timounio seulement. Donc, Timounio là, tu as l'air, Timounio va aller, va dormir. Quand il y a là, carnaval qui va faire d'assoir là, on prend tout gros groupe dehors. Rock Farm, Wood Boy, Creole, Kai, tout groupe là. Donc, je pense qu'on est d'amélioration. Carnaval là, ce deuxième joli, l'a fini un peu plus tard. Mais on connaît quelques côtés qui n'ont pas d'éclairage. Donc, nous sommes obligés de travailler avec EDH pour nous permettre qu'il y ait plus d'éclairage sur le parcours. Donc, il y a des gens qui sont dans la bande déguisée qui n'ont pas d'éclairage. Donc, je dis à nous faire passer. Nous pensons que c'est une grande réussite pour la commune d'Elma qui a fait deuxième édition carnaval ça. Première édition en bas là. Donc c'est peut-être une occasion pour moi pour me faire un gros coup de chapeau pour Wilson Jeudi qui a fait première édition. Hein, qui fait que c'est une deuxième édition. Donc deuxième édition ça, nous mettons tête nous ensemble. Tout le monde a les magistrats avec un député mettent tête ensemble. Qui ça s'accabaille. Donc nous tous qui avons le pouvoir éphémère et passer n'a pas passé. Mais pendant là, on essaie d'archiver un bagage. Tout le monde qui a fait ça, fait Delma, pas seulement le carnaval. Mais le stade qui a fait, il y a une route qui a fait. Et il faut nous clair, c'est beaucoup de caravanes, c'est beaucoup un ensemble de décisions gouvernementales qui prennent Delma. Donc le gouvernement entre Delma, donc il y a plus de bagages qui fait dans la commune Delma. Par rapport à journée hier, il y a un ensemble de dispositions qui prennent jeudi là, sur le plan sécuritaire, sur le plan logistique. Mais pour garantir réussite carnaval, est-ce qu'on estime que jusqu'à présent, décision ça a eu résultat? Il y a eu résultat, police nationale là pratiquement impeccable. Donc c'est occasion pour nous de remercier la police nationale là. Mais j'en connais, carnaval là beaucoup fini. Donc on a prêté pour nous observer toujours. Mais jusqu'à présent, en journée hier là, et ça nous commence à faire aujourd'hui à tout le monde qui a constaté son grande réussite liée pour la commune de Delma, qui va gagner pour l'envier. Avec le carnaval national. Là. Pourquoi pas l'année prochaine? Nous devons annoncer que nous naïfs, mais regardez là, regardez le boulevard là. Pas d'accident, pas de rien, tout le monde a pris plaisir, tout le monde dans la rue. Moi, c'est un gros exemple lié pour toute l'autre commune à travers le pays. Effectivement, le carnaval là a déroulé, mais il y a un peu de monde qui a inquiétude sur la participation ensemble de groupes.
puisque hier c'était seulement 3 dans le groupe qui était prévu qui était arrivé défiler. Est-ce que soir on va promettre téléspectateurs au monde qui peut être Delma là qui a une idée venir que si on vient il y a besoin de participation tout groupe yo ou dit wood boy kai work farm qu'on sorte cité là entre autres. Nous pensons tout groupe yo n'a travail pour sortir au moins 3 dans 4 groupes ça on dit à gagne char près là mon 4e char là n'a travail sur lui mais c'est sûr que n'a promet pour que tous les 4 groupes yo là. On idée de budget carnaval l'année pour Delma. Bon, nous ne pouvons pas parler de budget parce que grand pile bagaille ouais là, c'est pas comme yo, c'est secteur privé Delma parce qu'en pile monde pas connaît. Majorité secteur privé là, c'est Delma yo et Delma yo paye taxes. Donc carnaval ça peut-être pas une trop gros participation l'état central là la donne parce que il y a des promesses qui fait qui pas tenu. Donc moi personnellement pas bon budget parce que question financière, on pas rentrer là-dedans, faut mon comme ça. Débuté par gérer l'argent. Donc, mairie a une structure qui fait ça. Tout sponsor qui vient, nous diriger vers mairie. Nous pensons que Cap Congestion est responsable de sa Cap Baye pour carnaval. Mais en pile quoi pour elle, c'est bureau député et mairie en particulier avec le secteur privé d'Elma qui répondent. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas mais qui payent un jazz. Il y a des gens qui ne peuvent pas qui font un stang. Ouais. Donc, l'important, que le secteur privé a participé. Sans pour autant, ce n'est pas comme si on allait chercher dans le secteur privé. Il y a des gens qui sont là, qui ont des camions, qui ont des bâillons pour ramasser Fatra. En plus de camions, mairie qui ont ramassé Fatra. On a regardé pour le carnaval a fini hier. À pratiquement 10h, 3h du matin, on va passer là-bas, on fait un papier. Donc c'est le moment pour nous faire un gros coup de chapeau à l'équipe assainissement mairie Delma qui font un travail qui est impeccable. Nous avons dit que le carnaval jeudi, le carnaval Delma Anessa, son partenariat de bureau député Garibodo avec mairie Delma qui arrive qui fait le possible. Exactement, mais pas carnaval seulement. Tout l'autre bagaille, que ce soit des COP, nous mettons sous budget pour permettre que y ait des projets qui fait dans la commune. Donc, il y a un peu de bagaille qui a fait, c'est mairie qui a fait, il y a des bagailles qui m'a fait, tout m'a fait. Moi, c'est Jean Mdien, député pour un petit bout de temps. Magistrat, bon petit bout de temps. Avant nous, t'es Anel Belize, t'es docteur Guerrier. Pour nous, t'es de l'autre monde. Demain, c'est l'autre monde qui va le gagner. T'es si mon petit, ça va pas le début, t'es pas le magistrat. Donc, pas de raison pour notre bataille. Donc, tout ça, nous gagnons, nous mettons en commun pour nous capables de faire une réussite ça. Et là, nous mettons ensemble, ouais, qui s'albaille en d'abéa. Merci en pile député. Peut-être qu'on a une chance pour nous reparler encore, parce que le carnaval l'a fait commencer. Le carnaval l'a jeune. Merci beaucoup. Merci. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, nous sommes avec nous sur le plateau Télévision Nationale, député Garibodo, député de la circonscription de Delma, qui c'est tout président de Chambre des députés. Donc là, c'était parlementaire Delma, c'était représentant de circonscription Delma au niveau de la Chambre basse qui t'a interagi, qui t'a intervenu sur Télévision Nationale d'Haïti, dans ce qui est pour l'organisation Carnaval là Delma. Donc nous rendons compte que gagné en pile la disposition que vous avez déjà commencé à énoncer qui prend par rapport à l'organisation deuxième journée carnaval là que le député a évoqué. N'a pas vite continuer et Vanessa, sous question bon à pied côté rendre compte qui est passé hier. J'ai ce qui est passé hier, le député a déjà annoncé plusieurs groupes qui vont passer hier, qui vont passer aujourd'hui. Mais il faut tirer sous journée hier là, qui soit de faire comme constat que vous pensez que nous méritons signaler pour nous toujours sous question bon à pied et groupe. Bon, nous avons dit que hier, bon à pied, même était passé un petit peu rapide, nous avons dit que bon, vraiment, le carnaval a été prof un bonheur hier. Donc jeudi, nous avons dit que ça rapport qui a amélioré, c'est qu'il y a plus de couleurs dans le bon à pied, où il y a des danseuses, où il y a des. On a dit ça. Débat que nous avons dit que nous avons fait longtemps que jeudi, même nous avons dit que qui devient certain temps nous a dit qu'il réduit, mais je dis à nous joignons, donc pour gros dada, ouais, monsieur, quand on déguisé, puis on a défilé tout ça. Donc nous a dit que je dis à, contrairement à hier, donc bagaille au plus, genre, depuis qu'il y a même depuis hier, il était pour mettre ça, donc je dis à activité au tap plus, ça vient plus groupe qui a passé, et je dis à, c'est pas parfait de petit monde, quand on a fait la fin à 9h du soir. Donc,